Lily Rinard, Riverdale, attaquée sur son physique, elle pousse un violent coup de gueule. L'actrice Lily Rinard en a assez de lire des commentaires désobligeants concernant son physique. Depuis deux semaines, la star de la série Riverdale voit circuler sur Instagram un montage photo d'elle. À gauche, une capture d'écran d'un épisode de la série la montre dans un ensemble de lingerie noire. À droite, le même ensemble est porté par un mannequin. Une comparaison a priori peu flatteuse, du moins, pour ses haters, qui a mis hors d'elle la comédienne. Sur son compte Tumblr, Lily Rinard a décidé de réagir donc. Je tombe sur cette image sur mon Instagram depuis deux semaines, avec des légendes telles que Lily versus mannequin, qui le porte mieux / ou laquelle est la plus sexy / C'était impossible de le manquer et je pense qu'il est temps que je réponde quelque chose. C'est décevant. L'actrice n'a pas hésité à viser les comptes de fans qui repostent cette photo. Car selon elle, ce sont ces mêmes fans qui adorent parler de l'incroyable amitié féminine ou encore du féminisme qui se dégage de la série. Lily Rinard tire donc un constat sans appel, c'est la haine la plus hypocrite que j'ai jamais vue. La comédienne a ensuite expliqué ce qui la dérangeait, c'est un vote. Une compétition. Une comparaison de deux corps. C'est une perche lancée aux commentaires et jugements négatifs. Lily Rinard a donné quelques exemples de ce qu'elle a pu lire. Betty Copé, son personnage dans la série, ND et LR, et grosse ce n'est pas flatteur ou encore la mannequin est bien plus belle. Des commentaires qui ont poussé la comédienne à réagir. Je n'ai pas le corps de ce mannequin. J'en suis totalement consciente. Mes cuisses se touchent, je n'ai pas une taille fine et des bras et abdos fermes. Je ne suis pas elle. Dans la suite de son texte, elle demande aux personnes qui l'ont jugé de comparer leur propre corps à celui du mannequin. C'est si facile de pointer les faiblesses chez les autres, n'est-ce pas / Pour Lily Rinard, c'est ce genre de comparaison qui pousse les jeunes filles à avoir des troubles alimentaires et à devenir suicidaires à cause de leur physique. Pour toutes ces raisons, l'actrice espère que ses fans réfléchiront à deux fois avant de commenter le poids ou la silhouette d'une autre femme.